Tov, Beshem Hashem, Naase, Venasliar, Boker Tov. On est aujourd'hui le mercredi 27 mai, Lechem Tovim, Shalom, le Dalet du mois de Sivan, Shenishma, Ben Baser, Yeshuot, Tovot, Ve Nechamot, Lechem Tovim, Shalom. Aujourd'hui, Shiur dédié pour Michel Mizrahi, Bracha, Rabacha, Batsacha, Bechomase, Adav, Kol Sherifne, Yaskil, Ve Yatsliar, Lechem Tovim, Shalom, Bakol, Mikol, Kol, Be Ezrat Hashem, Barach. Pour la refoua shlema de tous les malades d'Israël, Bichlalam, Rivka, Bat, Rachel. Je vous lui envoie une grande achlama meira, que de bonnes nouvelles, Be'ezrat Oid Barach, Vital Eshmolad. Pour aussi l'élévation de l'âme de Ludovic Chaim Ben Shira Martin, Alav Shalom. Pour refoua shlema complète et définitive de Baruch Eliyahu Ben Esther, refoua shlema, refoua tenefesh urfuat, Aguf. Tout d'abord à Clarette Suyed pour son soutien aussi, et tous ceux qui nous soutiennent, Mamash Mikol Alev, Deborah Lea, Dina Batrana, Bezrat Hashem, grande refoua Shlema, Lama Meira, Bakol Mikol Kol. Sarah Batfani, refoua Shlema, Moratim Yagdosha Vateora, Vechen Sarah Talia, Ephrat Myriam, Myriam Ephrat, le Meshane, Zéou, Kolam Israël. Ok, on va commencer notre jour, un jour un peu spécial sur la fête de Shavuot. En réalité, nous allons parler du roi David, parce que qui dit Shavuot dit le roi David, et il y a un rapport, puisque on parle de la malchoute, et la Torah, c'est la malchoute, c'est-à-dire la royauté. Je rappelle que vous pouvez aussi, tous, puisque c'est une question qui m'a été posée hier, acheter un shiur pour le dédier. C'est pas le shiur en lui-même qu'on achète, la Torah ne se vend pas, mais parce qu'elle est inestimable, mais on a tout à fait le droit d'acheter un shiur. Une personne a posé la question, comment se fait-il qu'on vend des shiurim? Ben, la réponse est simple, quand vous achetez une mezouza, vous la payez, et quand vous achetez un sefer Torah, vous le payez, quand vous construisez une synagogue, vous la payez, quand vous voulez monter à la Torah, il y a les ventes aux enchères, et de la même façon, on peut tout à fait vendre un shiur, non pas le shiur, le contenu du shiur, mais qu'il soit dédié, c'est-à-dire je paye pour que le nom de cette personne, comme une plaque dans une synagogue, l'LFLF Avdalim, eh bien, puisse être tout à fait acheté. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Bien au contraire, ça donne encore plus de mérite au chiour et encore plus à celui qui l'achète pour la réfoua, l'élévation, le mazal, l'anniversaire et tout ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème avec cela, bien au contraire. On est donc avec nos chachamim sur le sujet de la fête de Shavuot et la Megillah Teruth, puisque vous savez que chaque fête a une Megillah qui l'accompagne. Quand c'est, par exemple, Tisha B'Av qui est une fête. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas les Tachanounim, même la veille de Tisha B'Av, parce qu'on lit la Megillat Echa. Quand on fait Pessah, on lit la Megillat Shir HaShirim. Quand on fait Shavuot, eh bien, en fait, Shavuot, on fait la Megillat Rut. Ce sont les Megillot. Il y a cinq Megillot dans le Tanakh. Et c'est, sans plus tarder, celle de qui on va parler. Donc, c'est un shiur qui peut être très long. Donc, je vais le faire à peu près pendant 20 minutes, l'arrêter et peut-être recommencer une suite. Ou tout simplement, on verra. Ok. Bechag Shavuot, Noagim Likro Megillat Rut. Shei Echad Mi'Esrim Verba, Sifre HaKodesh, nous disent les Chachamim. On a l'habitude de le lire. Alors vous allez le lire pour ceux qui font Mikrei Moed, pour le Seder de l'El Shavuot, il est dedans, donc on le lit. Et on a l'habitude de revenir sur cette lecture le lendemain de Shavuot. Omer à Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dans le Zohar Hadash, justement à propos de Ruth à Moavia, à la page 24 à Moudbet, chapitre 24 à Moudbet, je ne sais pas exactement comment il le définit ici. Mais Kevan, chez Megillat Ruth, Megala et Sodot à Torah, chez Birtav, ve chez Baalpe. Alors, le Zohar HaKadosh nous apprend que cette histoire, on pourrait le dire d'une certaine façon, de la Megillat Ruth, cache en elle des secrets beaucoup plus élevés que le pshat qu'on pourrait en retirer quand on lit la Megillat Ruth de l'histoire de Naomi, qui était mariée avec Elimelech et qui avait deux enfants, qui sont partis, qui ont quitté la terre d'Eretz Israël parce que Elimelech voyait que la pauvreté était devenue trop grande en Israël. Et donc, lui qui était très riche et chef du Sanhédrin, il a dit « je ne veux pas vider tout mon oseille à aider tout le monde parce que c'est compliqué ». Et au lieu de régler le problème parce que, s'il avait eu confiance en Dieu, il sait que quand tu vides tes poches pour aider des pauvres, c'est pour que Dieu te les re-remplisse. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa femme, Naomi, ses deux enfants, et il quitte la terre d'Eretz Israël pour s'installer sur les plaines de Moab, pour résumer un petit peu l'histoire. Et ses deux enfants vont épouser
deux filles non juives du nom de Ruth et sa sœur Orpa. D'accord ? Voilà un peu ce qui va se passer. Les deux fils vont mourir. Orpa, après la mort, bien entendu, de Elimelech qui mourra dès qu'il aura quitté Eretz Israël, parce que dès qu'on quitte Eretz Israël, surtout pour ce genre de choses, au lieu de lever le pays, au lieu de relever l'histoire et d'aider ses frères, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il fuit le problème, comme tous ces gens qui ont l'habitude de toujours critiquer au lieu de venir aider. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, justement, comme quoi que l'histoire ne cesse de se répéter ? Eh bien, il critiquera la situation en Eretz Israël, prendra ses clics et ses claques et partira. Alors, les deux maris meurent, un dans la tchouva, l'autre sans tchouva, les deux fils de Naomi, et donc Orpa et Ruth, qui sont princesses de Moab, Orpa décide de retourner chez son père, retourner en tant que non-juive pour profiter de ce monde, et va subir des péripéties très bizarres, puisqu'elle, sur la route de retour des plaines de Moab jusqu'au palais de Moab, eh bien, elle se fera prendre par 100 hommes. 100 personnes iront avec elle, tellement la clipa chez elle était forte, tellement ses intentions étaient impures, et elle finira vraiment comme une smartoute, on peut dire comme une espèce de serpillière, à l'entrée de la ville du palais, où elle se fera violer par un chien, et pas n'importe quel chien, puisqu'il s'agit ici d'un chien qui était empreint d'un rouar tamé à l'intérieur, qui était empreint d'une réincarnation d'un esprit maléfique, et donc la semence de ce chien va produire de façon très exceptionnelle dans l'histoire le fait de la mettre enceinte. Elle va tomber enceinte de quatre géants, dont le plus connu s'appellera Goliath. Orpa n'est autre que la mère de Goliath, et donc Goliath étant la sœur de Ruth, et David Amelech étant le petit-fils de Ruth, vous comprenez que Goliath, en réalité, est le grand cousin du roi David dans l'histoire. Voilà plus ou moins le début, en tout cas, qui nous est raconté dans la Megillat Ruth avec les commentateurs. Et puis, ça finit avec, par contre, Ruth qui accepte de suivre le chemin de Naomi, qui mangera là où elle dormira. Elle fait allusion à la Nida, qu'elle mangera ce qu'elle mangera. Elle fait allusion à la Kashrut. Elle mourra comme elle mourra pour lui faire comprendre qu'elle épousera les lois d'Israël et le Kaddish. Donc, Ruth devient le symbole de la conversion, le livre de la conversion par excellence, pour épouser, en fin de compte, le tzaddik de la génération qui s'appelle Boaz, qui est chef du Sanhédrin, lui, par contre, et qui est totalement investi pour son peuple. Ruth est extrêmement belle, nous disait Chachamim, elle est jeune, elle est fraîche, elle est princesse de Moab, et elle refuse tous les plaisirs de ce monde pour adhérer 100% au judaïsme, ni par amour pour un homme, ni par intérêt d'être un juif, parce qu'il gagne plus d'argent ou moins d'argent que les autres, selon certaines personnes de mauvais œil. Et ainsi de suite, elle veut vraiment devenir une servante d'Hachem au sens le plus littéral du terme. Et elle va même épouser Boaz, l'histoire que d'une seule nuit, puisque Boaz va la mettre enceinte, et de là vont naître justement les aïeux du roi David. Voilà, Boaz décède et Ruth reste fidèle à ce mariage jusqu'à la fin de sa vie, pour être certaine qu'elle retrouvera Boaz dans le Olam Haba. Voilà exactement ce que l'on peut rencontrer jusqu'à la naissance du roi David, qui est un personnage crucial dans l'histoire d'Israël, d'où la Magen David, le mérite du roi David, David Melech Israël, Chai Vekayam, ce roi très spécial. Et pourquoi le roi est-il si spécial que ça, le roi David, de tous les rois d'Israël? C'est le plus connu, le plus réputé de tous, plus que le roi Salomon. Tout simplement parce que le roi David est une symbolique de l'avenue du Machiach. C'est-à-dire que quand on parle du Machiach, on dit Machiach ben David, on ne dit pas Machiach ben Salomon. On ne dit pas Machiach ben Chizkiyahou, on dit Machiach ben David. Pourquoi ? Parce qu'il y aura trois tachanotes dans l'histoire, trois points sur lesquels l'histoire va rebondir, qu'on peut retrouver dans l'étymologie, dans les lettres du mot Adam, Aleph, qui est la première lettre du mot Adam, Dalet, du mot Adam, c'est le David et même Machiach. C'est-à-dire que l'histoire va se diviser par trois stations, la naissance d'Adam Arishon, le rebondissement de l'histoire de la faute originelle de David Amelech et même Machiach. Si on prend les initiales de ces trois-là, Adam, David, Machiach, c'est les lettres du mot Adam. Donc quand l'homme a été créé, c'était pour arriver à ces trois stations-là, puisque le roi David fait partie du quatrième pied du trône divin. Alors, sans plus tarder, on va étudier un petit peu la naissance du roi David par rapport à Ruth à Moravia. Au sage de nous dire que ne prends pas, comme dit le Zohar,
Hadash ne prend pas l'histoire de la Megillat Rut comme étant quelque chose à lire comme ça en français ou autre, juste une histoire, car à l'intérieur de la Megillat Rut se cachent les secrets de la Torah écrite et y compris les secrets de la Torah orale. Torah Shebirta et Torah Shebaal Peh bechol asodot. Et si tu me poses la question, quel rapport avec dans ce cas-là la fête de Shavuot et le livre de Ruth ? Réponse, eh bien, c'est que comme à Shavuot, nous avons reçu la Torah écrite et la Torah orale, eh bien, il fallait bien trouver un résumé, un condensé de toute la Torah qui dévoilerait aussi bien la Torah écrite et la Torah orale. Et ce livre-là s'appelle le livre de Ruth. Donc, c'est très important aussi de comprendre dans le Yahadout combien on est loin de manger le fruit, et que quand on pense avoir compris la Megillat Rut, entre autres, eh bien là-bas se retrouve toute la Torah écrite et la Torah orale. Toutes les Gemarot sont à l'intérieur, tout est dedans, de façon très codée et très cachée. La Gemara dans Baba Batra, Nachon, nous dit comme ça à la page 14 à Moudbet, chez Et Megillat Rut, Katav, Shmuel Hanavi. Donc la Gemara nous dit qui a retranscrit, qui a écrit la Megillat Rut, c'est le prophète Shmuel. Et là, on a un problème, c'est que le prophète Samuel, qui n'a vécu que 52 ans, est venu beaucoup plus tard après l'histoire de Ruth à Moavia. Et dans ce cas-là, comment il peut être témoin oculaire en écrivant, retranscrivant ce qui aurait été vécu alors qu'il n'était pas présent ? Réponse, c'est parce qu'il a écrit Beroua HaKodesh. Ça veut dire que le créateur du monde a insufflé un esprit de vision chez le prophète Samuel pour qu'il retranscrive la Megillat Rut, non pas sur le domaine historique simplement, mais avec tous les codes qu'on vient de dire avant. Uma be'emet asiba sheshmuel hanavi katav et Megillat Rut. Et si tu viens maintenant me poser la question pourquoi Davka lui il a été choisi, non pas la Knesset Agdola, pour écrire le livre de Rut, farshim ombrim sheshmuel hanavi ratza sheneda et seder ha'ishtalshelut shel nishmat David ha'melech, et donc de l'avenue du Mashiach. Parce que le prophète Samuel va être le premier à oindre le premier roi d'Israël, qui est le roi Shaoul, le roi Saül en français, et le roi David. Et bien Ezrat Hashem, étant donné que c'est lui qui commence et qui démarre la Shalchelet, c'est-à-dire la dynastie de la royauté d'Israël, et bien il était évident que lui voulait parler de la racine de la dynastie du roi David, d'où vient le roi David. En d'autres termes, si Ruth existe, c'est par le mérite du roi David. Sheneda Ketzad Nola David Ameler. Et pour arriver à quoi ? Pour nous dire comment est né le roi David. Et pourquoi on nous parle souvent de la naissance du roi David dans tous ses livres, lui-même en parle dans ses Tehillim ? Eh bien parce que la naissance du roi David est l'histoire la plus exceptionnelle de l'histoire de toute l'humanité. Il faut savoir que ce qu'il a vécu, on pourrait dire de façon rigolote, que même ni Dallas, ni Dynastie, ni Gloire, Amour et Témoche ne peuvent arriver à une telle complexité de la naissance du roi David. Tout le monde s'est intéressé à comment est né ce roi David. Et quels furent les événements chez Kadmoul et Ola de To, et pour qu'on nous rappelle en même temps, pour faire honneur à la naissance du roi David qui deviendra le père du Mashiach, quel est le chemin de la naissance du roi David. Et pour comprendre cela, il faut faire honneur à Ruth à Moavia, parce que Ruth à Moavia vient de Moab. Et on voit que la complexité de cette naissance a démarré bien avant cela, avec Lot qui ira avec ses filles parce qu'il pensait qu'il n'y avait plus d'hommes sur terre. Les filles vont faire boire leur père au point qu'il s'endormira. Et chacune d'elles, à deux nuits différentes, va coucher avec son père pour tomber enceinte et donner naissance à deux nations qui s'appellent Ammon et Moab. Donc si on regarde un petit peu le chemin du côté de la mère, il vient d'un inceste. Le père va avec ses filles. Si on regarde du côté du père, donc du côté de Boaz, il faut revenir à Yehuda, fils de Yaakov, qui d'un coup va avoir un Yetzerara énorme contrôlé du ciel pour aller avec une prostituée qui n'était autre que sa bru, j'ai nommé Tamar, déguisée en prostituée, si je peux me permettre le mot. Yehuda va avec elle et reconnaît son erreur. C'est-à-dire que quand on parle de la racine de la naissance du roi David, on part sur deux interdits. D'un côté, du côté de la mère, la filiale féminine, c'est Lot qui va avec sa fille, qui la met enceinte, Moav vient au monde. Moav vient au monde, de là vient venir plus tard, donc Ruth à Moavia.
Donc quand on voit la racine, elle n'est pas très propre. Et quand on va de l'autre côté, il s'agit de Yehuda, chef du Sanhédrin, qui va avec Tamar, à qui il avait promis son troisième fils Shéla parce qu'il y avait la mitzvah du Yiboum. Et puis en fin de compte, il ne va pas la lui donner. Donc elle, manque de patience ou estimant qu'il ne compte pas lui donner, elle va se déguiser, prie sur les tombes des Avot, Abraham et Yitzhak. Et puis voilà qu'on découvrira qu'il va la mettre enceinte de deux jumeaux. Et de là va naître du côté du père cette filiale de la royauté. Tout ça pour nous dire comment est né le roi David. Quand on retourne à la racine des racines des racines des racines, eh bien on voit que la source, elle est déjà très ambiguë. Pourquoi? C'est ce qu'on expliquera à Bli Neder, peut-être pas dans ce shiur, mais à la fin de cette étude. Umaou ayichus shel mishparto zo hasiba yichusha dechtivat migelat rut. Et donc on veut nous faire comprendre que le roi David n'est pas n'importe qui vient d'une mère. Donc son arrière-grand-mère ou sa grand-mère, je ne me rappelle plus, on verra dans le texte, je crois que c'est son arrière-grand-mère. Ruth Amoavia est une princesse, le roi David n'est pas n'importe qui. Le problème qu'on a, c'est qu'on sait que les habitants de Moab et de Ammon ne peuvent pas se convertir au judaïsme, et s'ils se convertissent, leur conversion est nulle et non avenue. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que Ruth, sa conversion n'aurait pas été valable, et donc sa descendance régoille. Ainsi donc, le roi David ne peut pas être roi d'Israël. C'était là qu'était toute ambiguïté, et c'est ce qu'on va découvrir maintenant ici, c'est que justement, les hommes de Moab et de Ammon ne peuvent pas se convertir, mais les femmes, elles, peuvent se convertir. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Il y a une partie très importante à revoir dans la paracha de Vayera, dans le livre de Bereshit, et vous vous rappelez tous, bien entendu, qu'Avraham Avinu alav shalom attendait impatiemment des invités alors qu'il était au troisième jour de la Brit Mila. Et là-bas, le texte vient nous apprendre qu'il y a trois anges déguisés qui viendront voir Abraham Avinu alav shalom. Et la première question que vont poser les anges à Abraham, en tout cas l'une des premières questions, c'est « Aye eshtecha Sarah ?»« Où est ta femme Sarah ?» Anienne, si vous êtes des anges, vous devriez le savoir à la base. Et combien même vous vous êtes déguisé en tant qu'homme, depuis quand est-ce qu'un homme il pose la question à son mari « Elle est où ta femme ?» C'est un manque de pudeur. Merpatlecha, où est ma femme? T'as quelque chose à dire, tu me le dis à moi, tu ne dis pas à ma femme. En réalité, ce qui se passe, c'est que les anges ont voulu mettre à l'épreuve l'histoire. À savoir, Abraham, quand tu nous as vus, tu nous as proposé du pain, du beurre et de l'eau. Et puis, il n'y a que toi qui nous sers. Pourquoi ce n'est pas ta femme qui nous sert? Et Abraham répond, car il n'est pas conventionnel que les femmes sortent servir les hommes. Ce n'est pas joli. Comme dans les salles, par exemple, en Israël, quand vous allez dans des mariages Haridi, les mariages où on a peur de décevoir Hachem, les mariages où on veut vraiment que ce soit fait Kedat Moshé Israël, du côté des hommes où ils sont assis, c'est des serveurs, et du côté des femmes, c'est des serveuses. C'est comme ça que c'est fait. Donc c'est ce que dit Abraham, vous êtes trois hommes, il n'est pas du chemin des femmes de sortir servir les hommes. Qu'est-ce que cela signifiait? Eh bien plus tard, on découvrira que quand les enfants d'Israël vont demander de l'aide à la nation de Moab et de Ammon, de leur donner du pain et de l'eau, quitte à leur acheter à prix d'or, ils ne viendront pas non seulement leur apporter cela, non seulement les servir, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la notion de achnasat orchim, d'inviter les gens, mais ils vont même sortir en guerre contre Israël. Et dans ce cas-là, étant donné qu'ils n'ont pas de hakarat hatov, étant donné qu'ils n'ont pas de reconnaissance, puis pourquoi? Parce que si aujourd'hui ces deux peuples existent, c'est parce que grâce à Abraham, il a sauvé Lot, le père de ces deux nations. Donc, c'est Abraham qui vous sauve, et quand sa descendance vient vous demander, en vous achetant du pain et de l'eau, ouais, vous n'en donnez pas. Un peuple qui n'est pas capable d'avoir de gratitude, en aucun cas ne peut se marier avec la religion juive. En aucun cas, il peut se marier avec le judaïsme. Il est anti-Torah. Parce que toute la notion de la Torah, en un mot, c'est gratitude. Et donc, étant donné que ces deux nations-là, Moab et Ammon, n'avaient aucune gratitude, parce que leur existence vient justement de Abraham et de Sarah, quand vient leur descendance, alors que vous leur devez la vie, vous ne leur donnez pas ni du pain de l'eau, même à prix d'or, et vous sortez en guerre contre eux, vous êtes disqualifiés pour la conversion. Et c'est ce que voulaient savoir les anges. Est-ce que c'est les hommes et les femmes qui sont disqualifiés, parce qu'ils ne sont pas venus apporter de l'eau et du pain à Israël? Et d'où la question à Abraham. Abraham, pourquoi ta femme, quand ils disent « Où est ta femme, Sarah ?» c'est pas simplement pour l'annoncer la bonne nouvelle qu'elle va tomber enceinte de Yitzhak, mais c'était pour comprendre quelle était la loi dans la conduite des nations, dans la tradition? Est-ce que les femmes sortent servir les hommes ou pas? Réponse d'Abraham, non.
Abraham a été très intelligent. Il a dit, ma femme, elle est dans la tente. Les femmes ne sortent pas, ce n'est pas pudique. Sur ce, Abraham a fixé la halakha qu'on peut en vouloir aux hommes de Moab et de Ammon d'avoir fait preuve d'ingratitude, mais pas aux femmes. Parce que même si les femmes avaient voulu sortir, il n'est pas de coutume qu'une femme sorte à porter de l'eau et à boire et à manger aux hommes. C'est aux hommes de le faire, de peur qu'ils mangent ensemble. Et on savait que la nourriture approche les cœurs et malheureusement, ça peut glisser. Même si c'est facile à éviter, mais on ne sait jamais. Résultat des courses, les femmes ne sont pas disqualifiées à conversion. Les hommes, oui, sont disqualifiés à la conversion. Et donc, c'est à tout le dioun, toute la répercussion de l'existence de Ruth qui, elle, vient au judaïsme. Et Boaz, chef du Sanhedrin, connaissait ce secret-là, tandis que Doeg Adomi, lui, apparemment l'ignorait. Asiba shnia ish et baotat kufa mitorera shela gdola bekerev hachamim olam atora betkufat hashoftim atkufat David amelech zahar mikwach shela zot. Donc, il nous dit ici, à propos de tout ce que je viens de vous expliquer, que depuis la période des shoftim, des juges, jusqu'à la naissance du roi David, eh bien, la question, est-ce que les hommes et les femmes peuvent se convertir au judaïsme de la nation de Moab et de Ammon, était restée sans vraiment de réponse nette. Hachéla, pourquoi ? Parce qu'il y en a qui disent que la réponse d'Abraham, d'avoir dit « elle est dans la tente », eh bien, ne s'adressait pas réellement au fait de « venez nous servir ou pas nous servir », mais pour lui annoncer la bonne nouvelle de vive voix. Il y en a qui disent non, parce que peut-être que chez les Juifs, c'est pas joli que la femme est tenue d'être chomeret negia, mais pas chez les goïm. Une femme peut faire la bise à un homme chez les goïm. Ça fait pas partie de ses interdits à elle. Donc tu peux pas dire dans ce cas-là que les femmes étaient quittes de sortir pour apporter à boire et à manger chez les non-juifs, parce que eux ne sont pas, même s'ils ont les lois de l'inceste qui les concernent dans les sept lois noachi, dans ce qui concerne les goïm, mais une femme qui sert servir des hommes dans une auberge, il y a aucun interdit pour les goïm. Pourquoi tu dirais que les hommes et les femmes sont disqualifiés ? Cette question-là a été suspendue jusqu'à la naissance du roi David, où la réponse a été enfin donnée, même chez les goïms. On doit accepter l'idée que c'est mieux que les hommes servent les hommes et les femmes, donc les femmes ne seront pas disqualifiées. Mais c'est Pérouche d'abord. Mais la Chénim Tsa, chez David, à Melech, à la Vachalom, chez Asavta Rabba, donc son arrière-grand-mère, Ruth Amoavia, Psola Milavo Bekal Hashem, Mechon Kol Yot Melech, ou n'est pas psoula. Réponse, elle n'est pas psoula. Voilà. On vient de finir un premier paragraphe extraordinaire de cette lecture pour comprendre Bezrat Hashem, le livre de Ruth, et que maintenant l'ambiguïté sur la légitimité de Ruth à Moavia s'en retrouve totalement réglée, puisque les femmes, oui, les hommes, non. D'où Bezrat Hashem, l'acceptation de cette conversion. On va s'arrêter maintenant pour le premier shiur. Bezrat Hashem, ça nous fait 20 minutes, 25 minutes de cours, pour pouvoir, Bezrat Hashem, ouvrir ensuite une parenthèse qu'on étudiera peut-être demain matin, plus longuement, sur le roi David. Et vous allez voir que Béhémeth, sa vie a été, on ne peut plus, difficile, on ne peut plus dur. C'est énorme à lire, il y a énormément de pages à faire, et c'est magnifique. Bezrat Hashem, Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Ve'amen, Ve'sheniske. Une fois de plus, on voit que c'est à cause d'un manque de chesed que les nations se sont disqualifiées. Shiniske Bezrat Hashem, de ne pas oublier qu'en lisant le livre de Ruth, eh bien, elle a fait preuve non seulement de gratitude d'être entrée dans la maison juive, mais en tant que convertie, elle était remplie de chesed, parce que c'est Ruth à Moabia qui s'est occupée de Naomi, sa belle-mère, jusqu'à la fin de sa vie. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. Toda Rabah.